Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Supérette. Cette semaine, on se retrouve pour vous donner une super astuce pour coudre des tissus fluides. Si vous commencez en couture, vous avez sans doute envie de coudre des super beaux tissus, et souvent, les super beaux tissus, ils sont super fluides, mais ils sont surtout super chiants à coudre parce que ça glisse, ça bouge, c'est impossible à découper, à contrôler sous la machine, et du coup, ça casse les couilles. Mais il existe une astuce super bête et super facile à réaliser juste avant de découper notre tissu, et c'est l'amidon. L'amidon, ça s'achète en spray en grande surface pour 2€, et c'est la solution pour rigidifier un petit peu vos tissus fluides et qu'ils soient beaucoup plus pratiques à découper et à assembler. Pour s'en servir, c'est tout simple, il suffit d'agiter le spray avant de l'utiliser et de vaporiser à une dizaine de centimètres au-dessus du tissu sur toute la surface de votre tissu. On laisse l'amidon imprégner les fibres de notre tissu pendant quelques secondes, et ensuite on va venir passer un coup de fer pour fixer le tout. Vous allez voir, c'est magique, une fois que vous avez passé le fer dessus, votre tissu devient aussi rigide qu'un gros coton bien épais. Si le premier passage vous satisfait pas, vous pouvez repasser une deuxième fois pour que ce soit un petit peu plus rigide, mais normalement en un coup ça fait l'affaire. Et regardez, on se retrouve avec un morceau de tissu qui a l'air d'être un petit morceau de carton, et pour le coup c'est vachement plus pratique à coudre que le tissu super fluide. Ah oui, et j'ai oublié de préciser un truc pour les gens qui s'inquiètent de porter un petit top en carton. En fait, l'amidon il se dissout au premier lavage, donc votre vêtement retrouvera les propriétés de votre tissu super fluide et super agréable une fois que vous l'aurez lavé. Et voilà, c'était notre astuce pour coudre des tissus fluides, on espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Vous avez sans doute remarqué que le mois de janvier, c'est un petit peu un mois de chill, on est tranquille, on avait un peu la flemme de faire des grosses vidéos. Mais sachez qu'on vous prépare un petit tuto que vous nous avez tous demandé pour cet hiver, alors soyez patients. Ça arrive! Dans notre dernière vidéo, on vous explique qu'est-ce que c'est Tipeee. On vous fait des bisous et à la semaine prochaine! À la semaine prochaine! On vous aime!